Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulomike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch d'XP sur la saison 2 de Fortnite, chapitre 3, qui va vous rapporter beaucoup d'XP très facilement et très rapidement, et ce, sans rien faire. Alors, pour réaliser le glitch, il faudra aller en mode créatif sur Fortnite, donc vous allez dans les modes de jeu à découvrir par Epic Game, ensuite vous choisissez le mode de jeu mode créatif, et là, vous lancez le mode créatif. Donc, en attendant que la map se charge, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite, appuyer sur carré pour soutenir un créateur et noter le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe, pour me soutenir sur Fortnite. Donc merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire. Alors ce que vous allez faire là pour réaliser le glitch, c'est deux petites choses. Première chose, vous allez aller prendre un pad ici et vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 8 3 5 7 2 9 8 0 6 4 3 9. Ensuite vous acceptez et vous validez. Donc le deuxième code que vous allez mettre c'est celui-ci, 7 9 5 4 8 7 4 8 4 9 et 4 3. Ensuite par précaution vous mettez point d'interrogation V égale et là vous mettez la version 9 pour être sûr que ça fonctionne, parce que le glitch ne fonctionnera pas sur une autre version. Alors la première map que je vous ai dit de noter, c'est tout simplement la map de Johnny34 qui va vous permettre d'obtenir des XP plus tard si on arrive à débloquer l'XP sur la map. Donc en fait ce que je vais vous demander là, c'est tout simplement de vous connecter sur cette map avant de faire l'autre glitch. S'il vous plaît, vous vous connectez sur cette map et ensuite ben vous restez genre 2-3 minutes, hein, vous interagissez genre avec 2-3 accessoires ici, 2-3 armes, vous faites 2-3 constructions, voilà, comme ceci. Et ensuite c'est tout. Ensuite vous sortez de la map, vous faites retour à l'accueil, option retour à l'accueil, et là vous allez dans la deuxième map. Ce qui va faire en sorte que si vous êtes 1000 personnes à le faire aujourd'hui, on va débloquer des XP sur cette map. Et si on débloque des XP sur cette map, on pourra vous proposer de meilleurs glitches d'XP et des glitches d'XP exclusifs. Donc voilà. Alors le glitch que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est celui-ci. Donc il va falloir aller ici, dans la map, dans la deuxième map que je vous ai proposé, que je vous ai dit d'écrire. Alors quand vous êtes ici, vous allez tout simplement appuyer sur le bouton. Ah non, d'abord faut danser. Ici à l'arrière, faut danser. Donc dans le coin inférieur gauche, vous sortez, vous allez ici, vous allez en arrière, vous dansez, vous faites une petite émote. Ensuite, vous appuyez sur le XP Trigger bouton. Voilà, ce qui va vous donner des XP en illimité. Ensuite, vous éditez, vous faites une édite ici. Vous allez éditer le deuxième mur. Et là, sur le deuxième chapeau, vous allez faire une petite émote. Comme ceci. Et là, vous faites une troisième édite. Et normalement, sur le troisième chapeau, il y a un bouton interagir. Donc, vous interagissez avec le bouton. Vous attendez que ça interagisse. Et là, normalement, vous allez gagner des XP en illimité. Toutes les 30 secondes, vous allez gagner des XP en illimité sans rien faire. Plus ou moins, toutes les 30 secondes. Alors, dans la vidéo que je regarde, la personne gagne, je crois qu'elle gagne 25 000 ou 20 000 XP. Voire peut-être même 30 000 XP par seconde. Enfin, par... toutes les 30 secondes. Donc on va voir combien nous on gagne. Donc là, on doit attendre 20 secondes. Donc en attendant, bah vous pouvez soutenir un créateur en mettant mon petit code créateur ici, SCM. Voilà, merci, vous êtes les boss, les potes. Donc là, on attend tout simplement encore 8 secondes. Et là, on va voir combien d'XP je vais gagner. Ok, ouais, donc j'ai vraiment gagné 23 000 XP supplémentaires. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, le créateur de cette map n'a pas encore publié le glitch sur sa chaîne YouTube. Donc, pour l'instant, le glitch ne sera pas patché avant sûrement ce soir.
Donc regardez là, je gagne encore des XP, 2000 XP. Donc là, vous allez gagner en fait vous voyez le petit compteur en haut. À chaque fois que le compteur arrive à zéro, vous allez gagner des XP en illimité sans rien faire. Donc vous avez juste à vous placer ici, à faire ce que vous avez à faire, soit aller travailler, manger, aller à l'école, vous faites tout ce que vous voulez et vous gagnerez des XP sans rien faire et en illimité. Donc il faut savoir que le créateur de cette map s'appelle Legend by Kim Toby là. Et ben en fait ce créateur n'a pas encore posté la map. Donc c'est une exclusivité un peu en avance. Et quand le créateur postera la map sur sa chaîne YouTube, il va faire extrêmement beaucoup de vues directement. Donc le glitch sera patché en 15 minutes à peine. Profitez-en un maximum parce qu'en fait le créateur va sûrement le poster uniquement ce soir la map. Donc là je pense que le glitch va être fonctionnel jusqu'à ce soir. Dès qu'il l'aura posté sur sa chaîne YouTube, bah Fortnite va être au courant et il va patcher le glitch super rapidement. Donc voilà, profitez-en un maximum avant que ce soit patché si vous voulez bien entendu en profiter. Après je vous incite pas à le faire hein, mais je suppose que si vous êtes sur la vidéo glitch, c'est que vous voulez faire un glitch. Après je vous incite pas à le faire, vous faites ce que vous voulez. Alors moi je vous répète vite fait ce que vous devez faire quand vous arrivez dans la map. Regardez, je vais vous montrer. On va relancer le jeu. Donc on va retourner à l'accueil. N'oubliez pas d'aller dans cette petite map hein, s'il vous plaît. C'est vraiment pour que nous on puisse débloquer les XP sur nos maps créatifs et vous proposer de meilleurs glitch XP. Et des glitch XP qui sont pas directement patchés. Donc, quand vous êtes dans la map, vous allez ici en arrière, vous faites une petite émote. Voilà. Ensuite, vous allez ici, vous appuyez sur XP Trigger bouton. Ensuite, vous faites une edit. Deux edits. Vous pouvez même faire une troisième edit. Ici, vous dansez, vous faites une petite danse. Ici, il y aura un bouton après interagir. Vous interagissez avec. Donc là, il faudra attendre un petit peu. Et là, vous allez gagner des XP après. Par contre, je ne sais pas pourquoi le bouton XP Trader là que j'ai appuyé dessus ne me donne pas des XP en illimité. C'est peut-être parce que j'ai fait un retour à l'accueil. Donc, c'est peut-être pour ça que je ne gagne pas. Mais ça, c'est bizarre. Donc, on va retourner appuyer dessus pour voir. Peut-être que j'ai mal appuyé dessus, je ne sais pas. Peut-être que j'ai appuyé sur l'autre. Non, je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas me donner les XP. Peut-être que j'ai pas bien dansé ici en bas. En bas, là. Hop. On va appuyer sur le bouton. Non, je sais pas pourquoi il veut pas me donner en illimité. C'est peut-être parce que j'ai relancé... j'ai fait un retour à l'accueil, j'aurais peut-être pas dû. Là, regardez, je gagne pas les XP non plus. Donc franchement, si ça fonctionne pas, ce que vous faites, c'est que vous faites un retour au salon. Vous retournez dans le mode créatif et vous refaites le glitch. Vous faites pas comme moi je l'ai fait parce que sinon ça va vous niquer le glitch. Parce que là ça vient de me niquer. Donc vous retournez en mode créatif et vous relancez la map glitchée. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.